Depuis 2020, cet ancien cuisinier de 42 ans incarne l'un des experts de Cleaners, les experts du ménage, une émission diffusée sur TFX. Mais qui est Alexandre Crécio au juste? Télé Loisirs dresse son portrait. Perte d'emploi, séparation, cambriolage. De multiples raisons peuvent pousser certains à négliger leur foyer. Ce n'est pas qu'une émission de télé, on sauve littéralement des vies, raconte Alexandre Crécio, qui officie sur l'émission Cleaners, les experts du ménage, depuis 4 saisons sur TFX. Des situations qui peuvent choquer de nombreux internautes mais qui ne fait pas peur à cet ancien cuisinier. Du haut de ses 2,05 mètres, celui que l'on surnomme le Viking du ménage livre ses recettes de nettoyage, comme il l'avait fait pour Télé Loisirs, et ses conseils en rangement pour offrir un nouveau départ aux personnes en détresse. Alexandre Crécio, Cleaners, un cuisinier de 2,05 mètres. Passionné de basket. Si sa mère était gouvernante pour certains artistes renommés, notamment Simone Signoret, ce breton de cœur, qui a grandi à Paimpol, considère son aspiration à l'ordre comme née. Dès l'enfance, les posters de sa chambre étaient parfaitement alignés, ses collections de mangas et de CD dépoussiérées chaque jour. C'était des rituels dont j'avais besoin pour être bien, presque des tocs, se souvient-il. Car hors des murs de sa chambre, Alexandre ressent un profond mal-être. En échec scolaire, il subit des brimades de certains camarades et même de professeurs. J'étais grand, maigre et hypersensible, nous explique-t-il. D'un caractère battant, il s'étoffe en pratiquant le basket dès l'âge de 12 ans. Malgré son rêve d'en faire son métier, il se dirige vers la cuisine après la troisième. D'abord commis, il est recruté comme chef de partie dans les cuisines d'un hôtel 5 étoiles à Paris, puis d'autres établissements prestigieux. Là, son incroyable rigueur fait mouche. Je nettoyais les bouchons de cèpe à la brosse à dents pour qu'il n'y ait plus une particule de terre, raconte-t-il. À 24 ans, il est repéré pour jouer dans une publicité aux côtés de Tony Parker. Un souvenir mémorable qui lui permet de gagner l'équivalent de plusieurs mois de salaire. J'ai pris la grosse tête. J'ai même démissionné de mon travail, reconnaît-il. Alexandre Crécio revient sur son casting pour Cleaners, les experts du ménage sur TFX. J'étais dégoulinant de sueur après avoir répondu à une question postée sur Facebook. Il est invité à envoyer une vidéo de présentation pour un nouveau programme sur TFX qui recherche des maniaques du ménage. J'avais commencé ma séance de sport, j'étais dégoulinant de sueur. Le mec pas du tout clean, quoi, se remémore-t-il dans un éclat de rire. Son naturel et son physique atypique séduisent la production qui le choisit aux côtés de 3 autres experts du ménage. Très investi, il confie rester en contact avec quasiment tous les participants de l'émission qu'il a aidé. Et son engagement ne s'arrête pas là. Son cheval de bataille? Les inégalités hommes-femmes, notamment sur la question du partage des tâches ménagères. Mais qu'en est-il dans son couple? Ma chérie est aussi maniaque que moi. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui m'allège ma charge mentale aussi, confie-t-il. À lire aussi Amina Nia, sa participation à Cleaners, sa vie de belle-maman, son chéri, son métier d'influenceuse. L'ancienne candidate de télé-réalité se confie.